Bon, faut encore pouvoir se pencher quand même. C'est les femelles. Donc il y a la moitié des jeunes, non ? Les éleveurs, alors là j'ai commencé à enlever les jeunes. Il en reste quelques-uns. Ici, il reste plus que ceux-là. Il reste plus que ceux-là. C'est les deux derniers, les deux plus jeunes des reproducteurs. Alors ici, c'est mon fameux vieux roux, qui a quand même, qui est de 2007. Bon, c'est un grand-père. Hein. Un grand-père et qui m'a donné déjà un jeune cette année encore. La volière qui sert un peu à tout le monde, surtout aux femelles jeunes et les pigeons jeunes et les vieilles femelles. Alors les bœufs où il reste pratiquement partout un jeune seulement. Donc le pigeon qui a fait le premier à Châteauroux cette année dans les jeunes, sur 2400 et quelques pigeons, le 558. Bon, il élève encore un de ses deux jeunes pour l'instant. La jeune femelle qui a fait l'as pigeon des concours fédéraux cette année, la 568. Et elle vient d'avoir ses jeunes seulement. Donc les deux jeunes qui sont là maintenant sont ces. Une fille de mon vieux roux, une jeune de l'année dernière, qui a la particularité d'avoir 11 plumes de chaque côté. Normalement on a 10 plumes, là c'est un 11 plumes sur les deux ailes. Qui a un jeune assez tardif, hein, puisqu'elle est même plus baguée d'Herbi, celle-là. Et elle m'a quand même fait 4 ou 5 prix de demi-fond. D'ailleurs, pigeon d'un an, c'est un jeune de mon vieux roux aussi, cette année. Donc un pigeon de 2018, donc. Qui m'a fait 4 prix sur 5 au concours fédéraux.